dans l'herbe. Ce matin, nous sommes allés à la rivière avec papa, maman et mon grand frère. L'eau chantonne doucement en s'écoulant. Papa m'appelle. Yushan. J'hésite à les rejoindre. Oh, le beau papillon. Il s'est posé sur une pierre. Que ses ailes orange mouchetées de noir sont jolies. À peine ai-je tendu la main qu'il s'est envolé vers la prairie. Attends-moi, papillon. Attends-moi. Je me lance à sa poursuite, au milieu des herbes qui sentent bon et frais comme du dentifrice. Le papillon virevolte au-dessus de la prairie. Attends-moi, papillon! Attends-moi! Les herbes entravent mes pas. Ah! J'ai failli tomber! Des feuilles allongées, rondes ou dentelées me caressent les pieds. Ça me chatouille! Le vent s'est brusquement levé. Les herbes ondulent comme une vague. Je m'enfonce jusqu'à la poitrine. Mes épaules aussi disparaissent. Seul mon visage et mon chapeau dépassent de cet océan d'herbes. Je suis cernée par de hautes herbes qui se penchent vers moi et m'observent en silence. Le papillon a disparu. Quelque chose vient de sauter sur mon bras. Ah, c'est une sauterelle verte. Reste là, sauterelle. Oh, trop tard. Quand j'avance, les herbes me frottent le visage. J'ai envie de pleurer. Je ferme les yeux. Je suis aussitôt entourée de toutes sortes de bruits. Pépiments, frémissements, frottements, craquements se mêlent au lointain murmure de la rivière. J'ai peur. Yushan, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les yeux et maman est là, qui me sourit. Maman, comment as-tu fait pour me retrouver ?